Bonjour à tous. Voilà, on va reprendre, s'il vous plaît. Alors, je suis très heureux de poursuivre cette session. Je suis Vincent Bastien, secrétaire général de la Société des Amis du Musée National de Céramique. Et à mon tour, je souhaite également remercier vivement tous nos partenaires et les organisateurs de ce colloque, et plus particulièrement les intervenants qui nous font plaisir de nous parler maintenant. Avant que nous débutions, j'aurais souhaité rappeler d'une manière générale à propos de la céramique et des arts du feu que selon le mythe, rien n'aurait été possible si Prométhée n'avait pas dérobé le feu aux dieux de l'Olympe pour le donner aux hommes. Mais Jupiter se vengea en créant Pandore, dont la boîte malencontreusement ouverte laissa échapper tous les maux que connaît l'humanité. Ainsi, de la mythologie aux temps les plus reculés, entre guerre et paix, le feu permit aux hommes de développer des civilisations dont le souvenir ne subsiste bien souvent que grâce à la céramique. Comme l'imagination des hommes est sans limite, je vous invite à découvrir les créations issues de la maîtrise du feu à travers le prisme de la propagande. Nous accueillons John Whitehead, antiquaire et auteur d'ouvrages fondamentaux sur le XVIIIe siècle français, pour nous parler du comte d'Angivilliers et de la manufacture de Sèvres, la porcelaine, outil de propagande royale. Merci beaucoup, Vincent. Sous l'Ancien Régime, la production de la manufacture de porcelaine de Sèvres est généralement considérée comme étant guidée seulement par des considérations esthétiques, à peu d'exceptions près. Pourtant, pendant les années 1780, on remarque quelques groupes d'objets possédant des caractéristiques qui peuvent faire croire qu'ils répondent à une volonté spécifique et pas seulement aux projets successifs des directeurs artistiques. Leur point commun est qu'ils jouent tous un rôle plus ou moins subtil, pour glorifier le monarque et la France, de façon bien différente peut-être, mais toujours avec le même but. Il se trouve que pendant cette décennie, la manufacture est administrée par le comte d'Angivilliers, qui remplit en même temps la fonction de directeur général des bâtiments du roi. En lisant sa correspondance avec Jean-Baptiste Marie Pierre, titulaire de l'office de premier peintre du roi, c'est-à-dire responsable de l'Académie royale de peinture et de sculpture, on comprend sa réputation d'administrateur méticuleux et talentueux, qui est d'ailleurs confirmée par sa correspondance avec Antoine Régnier, le directeur de la manufacture de Sèvres. Mais d'Angivilliers est bien plus qu'un administrateur. Si Louis XVI l'a nommé directeur des bâtiments du roi au début de son règne, ce n'est pas seulement pour qu'il s'occupe des palais royaux, mais aussi pour l'avoir près de lui, pour continuer à le guider en l'absence de son père, comme il le faisait déjà depuis bien longtemps. Il est ici nécessaire d'évoquer quelques détails biographiques pour bien comprendre les relations entre d'Angivilliers et Louis XVI. Issu d'une ancienne famille de noblesse d'épée, Charles-Claude de Flahaut de la Billarderie comptoie la famille royale depuis son entrée à l'école des pages à Versailles en 1744 à l'âge de 14 ans. Il a dû y être un bon élève puisqu'il est choisi pour faire partie des 12 pages qui vont accompagner le roi et le dauphin dans leur campagne de Flandre en 1745 qui culminera avec la victoire de Fontenoy. C'est vraisemblablement vers ce moment que le jeune chevalier de Flahaut fait connaissance du dauphin, fils de Louis XV, son aîné de seulement 4 mois. Les deux ont dû se lier d'amitié assez rapidement, car ils partagent le même mélange contradictoire d'opinions à la fois traditionnelles et aussi dynamiques. Après 2 ans à l'école des pages, il intègre l'armée avec l'intention d'y faire carrière comme tout le reste de sa famille. Voici à votre gauche le portrait du dauphin Louis par Rosselin de 1765 et celui d'Angivilliers par Greuze de 1763. Lorsque le dauphin commence à constituer la maison de ses 4 fils en 1759, il demande à d'Angivilliers de devenir gentilhomme de la Manche, de son fils aîné, le duc de Bourgogne, c'est-à-dire de faire partie de l'équipe qui va éduquer les jeunes princes. Pour que le dauphin Louis choisisse d'Angivilliers pour ce rôle, il fallait qu'il le connaisse particulièrement bien et qu'il possède une parfaite confiance en lui.
Après la mort tragique de Bourgogne en 1760, d'Angivilliers continue à guider ses jeunes frères et, à la requête du dauphin, il quitte l'armée pour se consacrer à son rôle à plein temps. Comme l'a expliqué son biographe Jacques-Sylvestre de Sacy, d'Angivilliers s'est pris d'une véritable affection pour l'aîné des survivants, le duc de Berry, le futur Louis XVI. Sentiment qui était clairement réciproque. D'Angivilliers a écrit à son sujet bien des années après « J'aimais le roi dans son enfance maussade. Je lui avais reconnu un esprit lent, mais droit, juste et étendu dans sa lenteur, ainsi qu'un cœur bon, vrai et simple. Le dauphin meurt en 1765 et son épouse un peu plus d'un an après, et d'Angivilliers démissionne alors de son poste, mais tout en restant proche du nouveau dauphin, qu'il va continuer à conseiller, y compris par des lettres très directes sur son comportement, juste après son avènement au trône en mai 1774. En août 1774, Louis XVI nomme d'Angivilliers directeur général des bâtiments du roi, et en septembre 1780, à la retraite de Bertin, d'Angivilliers accepte de s'occuper de Sèvres à la demande officielle de Necker, alors directeur des finances du royaume. Et voici le document aux archives nationales qui explique cette nomination. Lorsqu'on lit les mémoires écrites par d'Angivilliers en émigration, donc bien des années plus tard, on est frappé par leur contenu. Il n'y parle que de politique et pratiquement pas des bâtiments du roi ni de la manufacture de Sèvres. Je pense qu'il faut donc admettre que la politique est sa principale préoccupation et qu'il voit son rôle auprès de Louis XVI comme conseiller et d'une certaine façon comme remplaçant de son père le dauphin. Avec ça, on explique plus facilement un bon nombre de ses actions dans ses différents rôles. L'un des plus importants projets au bâtiment du roi est la transformation du palais du Louvre en musée, projet qui malheureusement pour d'Angivilliers n'aboutira à l'ouverture du Louvre qu'en 1793, alors qu'il avait déjà émigré. Voici son portrait de 1779 par Duplessis avec le plan de la Grande Galerie. Une de ses actions vers ce but est la commande en 1776 au sculpteur de l'Académie royale de la série des hommes illustres de la France. Ces sculptures en marbre de taille absolument héroïque étaient destinées à fournir un rythme architectural dans la Grande Galerie où serait exposée l'école française, la plus grande de tous, tout en rendant les visiteurs humbles devant l'éclat du dévouement exceptionnel des grands hommes envers leur roi et leur pays. Voici à droite le grand Condé par Roland et à gauche Bayard par Bridan avec votre serviteur pour donner l'échelle et montrer la grandeur des grands hommes. Et voici un projet de Charles de Vailly pour la Grande Galerie où on peut voir les hommes illustres de chaque côté de Louis XVI assis qui préside majestueusement le lieu. Et ici un autre dessin de Vailly qui représente la salle des Antiques, l'actuelle salle des Cariatides au rez-de-chaussée au Louvre, vers 1795. C'est là que les grands hommes avaient été installés en attente de leur pose, à leur emplacement définitif qui n'a finalement jamais eu lieu. En 1783, d'Angivilliers commande à la manufacture de Sèvres le premier de ce qui devait être une série de vases de format tout aussi héroïque, d'environ 2 mètres de haut, pour la Grande Galerie également. Comme les grands hommes, ils étaient destinés à la fois à rythmer l'énorme espace, mais aussi à célébrer les capacités techniques et artistiques de la manufacture royale de porcelaine. Je veux parler de ce qu'on appelle aujourd'hui simplement le grand vase. Il est dessiné par Louis-Simon Boiseau, le directeur artistique à Sèvres pour la sculpture. Il s'appuie sur les conseils de Pierre, le premier peintre. Sa fabrication en porcelaine dure confirme que la France est maintenant capable de produire ce matériau beaucoup plus noble et beaucoup plus vrai que la pâte tendre. De plus, il se base sur la pureté des formes antiques et son décor de biscuits en bas-relief fait référence à l'école de peinture bolognaise qu'affectionnait Louis XIV tout particulièrement et Louis XVI et d'Angivilliers aussi. Seulement 2 grands vases ont été réalisés avant la Révolution et comme leur emplacement n'était pas prêt, ils ont été exposés initialement dans le salon de l'appartement du roi à Sèvres. Voici à gauche le premier grand vase, aujourd'hui au Louvre, puis le second, qui n'a jamais été terminé comme le premier, car le bandeau en biscuit a eu des problèmes de cuisson.
Il est finalement donné, celui de droite, au comte de Libourne, le fils du duc de Parme, nommé roi d'Étrurie par Bonaparte cette année-là, et il est conservé aujourd'hui au palais Pitti à Florence. Et le maréchal du Luxembourg en marbre donne à peu près l'échelle des vases. Voici une vue imaginaire de la galerie par Hubert Robert, avec un grand vase, un des grands vases au milieu, comme c'était, semble-t-il, l'intention d'origine, à intervalles réguliers, alors que les grands hommes, eux, allaient être placés sagement le dos au mur, comme on peut les voir à Versailles aujourd'hui, sur la droite. On peut regretter que cette installation n'ayant pas été réalisée, les visiteurs n'ont jamais pu ressentir le dramatique effet désiré de se trouver tout petit face à tant de grandeur, ce qui aurait ressemblé à ce qu'évoque l'auteur anglais Jonathan Swift dans ses voyages de Gulliver. Pourquoi donc, en 1782, d'Angivilliers demande-t-il à Sèvres de produire des réductions des hommes illustres en biscuits d'environ 50 cm de haut pour les sujets debout et un peu moins pour ceux assis? Il a souvent été dit que cette initiative n'a pas réussi car elle n'a pas été un succès commercial. Mais je pense que c'est ne pas comprendre l'intention du comte d'Angivilliers en tant que mentor du bien intentionné mais faible Louis XVI, je vois ce projet comme l'inverse de celui de la grande galerie. La série complète a été installée dans les appartements privés du roi à Versailles, principalement dans le salon de la pendule et dans la bibliothèque, où c'est Louis XVI qui se trouvait, lui, de taille absolument héroïque face aux hommes illustres, réduits, eux, à une échelle presque ridicule, pour montrer au souverain dans son intérieur que c'est lui, en tant que roi, le seul à être véritablement grand par nature, même comparé aux plus illustres de ses sujets. Voici la bibliothèque du roi avec à droite un corneille assis en biscuit. Et il ne suffisait bien sûr pas des grands hommes, et en 1785, Sèvres livre au roi pour Versailles deux vases qui sont des réductions pratiquement identiques du grand vase, des grands vases, toujours avec des fabuleux bronzes dorés par Thomire, et ils seront placés sur la commode de Riesner dans le cabinet de l'angle où ils sont toujours aujourd'hui, pour que l'effet soit véritablement complet. Pour moi, cette inversion qui est digne de Gulliver représente la volonté du comte d'Angivilliers de retourner la propagande destinée au public pour en faire une de très personnelle et ciblée dans le sens inverse avec l'intention d'affermir l'indécisif Louis XVI. Parlons maintenant du choix des hommes illustres. C'est d'Angivilliers qui en est personnellement responsable. Et pour la plupart, on peut dire que ça va de soi. Il y a des hommes d'église, des militaires, des personnages littéraires, de loi. Et comme l'a souligné Guilhem Scherf, le facteur qui les unit est la loyauté envers la couronne. Mais il y a pour moi un critère spécifique supplémentaire qui a pu influencer d'Angivilliers. Certains ont joué des rôles de mentors ou d'éducateurs des ancêtres du roi. On y trouve le duc de Montausier, gouverneur du Grand Dauphin, personnage peu connu aujourd'hui, mais fameux en son temps par sa dureté envers Monseigneur le Grand Dauphin. On a même dit que Molière s'est inspiré de lui pour le personnage d'Alceste dans le Misanthrope. Lorsque le modèle en plâtre par le sculpteur Mouchy a été présenté au salon en 1781, Diderot s'est plaint qu'on ne l'avait pas fait assez sévère, ce qui donne une idée de sa réputation. Voici à gauche la terre cuite fournie à Sèvres par le sculpteur, ainsi qu'à droite un exemplaire en biscuit. Comme éducateur, il y a également à gauche Bossuet, précepteur du Grand Dauphin, qui rédige des œuvres d'histoire et de morale religieuse pour son élève, et à droite Fénelon, le précepteur du duc de Bourgogne, fils du Grand Dauphin et père de Louis XV. Par contraste avec Bossuet, l'ouvrage principal de Fénelon pour le duc de Bourgogne est le roman des aventures de Télémaque, qui devait éduquer le jeune prince tout en le divertissant, en même temps le rendant conscient d'un devoir de roi envers son peuple, ce qui n'a plu ni à Louis XIV ni à Bossuet. On peut tout à fait se demander si d'Angivilliers, inconsciemment peut-être, se voyait dans la lignée des précédents mentors royaux et se permettait d'espérer que, longtemps après sa mort certes, il serait lui aussi immortalisé de la même façon, à la fois héroïque en marbre et tout petit en biscuit. Le récit de Télémaque a formé une partie importante de l'éducation de Louis XVI. C'est l'histoire d'un jeune prince à qui il arrive certaines aventures moralisantes au cours desquelles il est suivi et conseillé par Minerve sous les traits de son ami nommé simplement Mentor.
Comme l'a indiqué Geoffrey de Belleg, dès l'âge de 11 ans, le futur roi a écrit un commentaire de l'œuvre qu'il a personnellement imprimé à Versailles. Bien sûr, il est impossible de savoir si c'est avec d'Angivilliers lui-même qu'il a étudié ces textes. Mais le rôle de mentor qu'il a certainement joué auprès de Louis XVI peut expliquer les choix non seulement des mentors des ancêtres dans la série des hommes illustres, mais aussi peut-être le choix d'épisodes des aventures de Télémaque pour le décor de nombreuses pièces du service de Sèvres du roi livré à partir de 1783. Ce service, dont la production devait prendre 23 ans, se situe au cœur d'un autre projet patronné par d'Angivilliers, la reconstruction du château de Versailles pour le rendre plus néoclassique et plus moderne. Nous savons par ses commandes de peinture aux artistes de l'Académie royale que d'Angivilliers privilégie les sujets destinés à inspirer des sentiments nobles et patriotiques à travers des épisodes de la religion, de l'histoire de France et de l'Antiquité ainsi que de la mythologie. Au même moment que le début de la production du service à décor mythologique pour Louis XVI, la manufacture commence à s'intéresser au goût arabesque qui devient à la mode grâce à plusieurs réalisations, y compris le pavillon de Bagatelle par François-Joseph Bélanger, avec ses intérieurs peints par son beau-frère Jean Démosthène Dugour. Le premier projet de Sèvres dans le style arabesque est la création d'un autre service de table destiné à Louis XVI, et il est clair que l'initiative revient au comte d'Angivilliers. En effet, dans une lettre du 2 février 1783 de Jean-Étienne de Montucla, le commis à la direction des bâtiments qui s'occupait de Sèvres, à Antoine Régnier, à Sèvres, Montucla décrit le service arabesque comme, et je cite, « le service dont monsieur le comte a le projet ». Et il insiste que Régnier doit s'en occuper avec diligence car « monsieur le comte y prend un vif intérêt et comme vous êtes son premier lieutenant, je crois que vous lui ferez beaucoup votre cours en mettant tout le zèle et l'activité dont vous êtes capable pour l'exécution ». Pour le service, non seulement on va inventer des formes et des décors complètement nouveaux, mais le projet est de fabriquer en pâte dure, alors que la plupart des services de table sont encore en pâte tendre. Le dessin des formes et décors est confié à un nommé Louis Masson, ou Louis Le Masson, un architecte et un ingénieur qui n'avait pas encore collaboré avec la manufacture, et sur lequel on ne savait pas grand-chose. Mais grâce à une publication récente, nous savons maintenant comment il a été choisi. Né en Normandie, près du fief de la famille de Breuil, il est remarqué puis encouragé par le maréchal de Breuil. En 1778, il gagne un prix qui lui permet de faire le voyage d'Italie, où non seulement il fait des relevés de monuments antiques, mais en plus, il peint un panorama de Rome qui deviendra fameux par la suite. En 1780, revenu en France, il devient, grâce sans doute toujours au maréchal de Breuil, professeur d'architecture des fils du comte d'Artois, les ducs d'Angoulême et de Berry, et c'est certainement dans ces circonstances qu'il s'est fait connaître et apprécier du comte d'Angivilliers. Pour le service arabesque, Le Masson va créer des formes inspirées de ce qu'il a vu à Rome, comme par exemple ce seau crénelé pour rafraîchir les verres, qui copie les formes de sarcophages antiques. Pour les décors, Le Masson demande que des artistes de Sèvres se rendent à Versailles pour plusieurs semaines pour copier des motifs d'arabesque. On lui envoie d'abord le doreur Étienne-Charles Leguet, puis son fils, le peintre Étienne-Charles. Étienne-Henri le doreur et le fils Étienne-Charles. Le Masson ne spécifie pas dans quelle source il fallait puiser les arabesques, mais un exemplaire coloré du recueil de gravures des loges de Raphaël au Vatican, réalisé dans les années 1770 sous la direction du Vénitien Giovanni Volpato, se trouvait dans la bibliothèque privée du roi, et il est vraisemblable que c'est celui-ci qui a servi. Voici la reliure de ce magnifique livre. En tout cas, tous les motifs du service proviennent de cette publication. L'exemplaire en question est superbement coloré et les couleurs correspondent à peu près aux peintures sur porcelaine. À la Révolution, ce livre a simplement traversé la rue pour rejoindre la bibliothèque municipale de Versailles où il se trouve encore aujourd'hui. Voici à gauche un détail d'une des gravures dans le recueil, au milieu un dessin pour le pilastre d'un seau à glace et puis à droite le pilastre sur le seau à glace en question en porcelaine. Malheureusement, la production du service est tombée victime de problèmes à la fois techniques et artistiques.
En effet, après l'exposition à Versailles pour le Nouvel An de 1784, d'Angivilliers se plaint à Régnier des premières pièces qui y avaient été exposées. Je cite « Quoique j'ai été, monsieur, jusqu'à un certain point content de la partie du service en mosaïque, c'est-à-dire arabesque, qui a été exécutée l'année dernière et exposée chez le roi au commencement de celle-ci, je ne puis cependant vous cacher que je crois cet objet susceptible d'un degré de perfection plus propre à répondre à l'élégance des dessins. Plusieurs de ces dessins m'ont paru exécutés d'une main lourde, les chimères entre autres, et il m'a paru qu'il y avait aussi beaucoup à désirer dans l'exécution des figures humaines et des oiseaux. Voici une assiette de 1783, probablement une de celles dont d'Angivilliers se plaignait. Et il finit par suggérer qu'il faudrait mieux continuer le service en pâte tendre, et finalement le service n'est jamais livré à Louis XVI, mais donné en 1795 à un diplomate prussien. Il faut voir dans le service arabesque un retour à la pureté symbolique de l'Antiquité et de la mythologie qui se rapproche du symbolisme des décors, des salons, du grand appartement du roi à Versailles, où les sujets antiques exaltent la grandeur royale. Nous avons peut-être du mal aujourd'hui à apprécier ce symbolisme, mais il faisait partie intégrale de l'éducation sous l'Ancien Régime, et chaque visiteur à Versailles savait lire et comprendre la signification de ces éléments du décor intérieur. Et ça, d'Angivilliers en était absolument conscient. En 1785, d'Angivilliers nomme le peintre Jean-Jacques Lagrenet, directeur artistique adjoint à Sèvres, pour aider Jean-Jacques Bachelier, qui remplissait le rôle de directeur artistique depuis environ 35 ans. Dans sa lettre de remerciement à d'Angivilliers, Lagrenet l'informe que « je ferai tous mes efforts pour entrer dans vos vues et satisfaire à l'envie que vous avez de perfectionner les ouvrages de cette manufacture ». Lagrenet, lui aussi, avait fait sa cour à d'Angivilliers avec cette peinture allégorique anticipant l'installation du nouveau musée au Louvre. Et vous voyez d'Angivilliers dans le cadre ovale et des Poutis qui sont en train d'apporter des peintures dans la grande galerie. L'un des principaux projets suivis par Lagrenet à Sèvres est la commande pour la laiterie de Rambouillet, réalisée dans le nouveau goût à l'étrusque et livrée en 1787 et 88. Les bâtiments et la décoration intérieure sont dans un style antique résolument archéologique qui répond à la volonté de d'Angivilliers que les artistes français à Rome poussent jusqu'à Naples pour découvrir les nouveaux sites antiques et puiser leur inspiration. Hubert Robert est un de ceux qui a visité Naples et il va aussi participer en dessinant une grande partie du projet, y compris les meubles et vraisemblablement choisissant les formes des porcelaines. En plus, d'Angivilliers lui demande de copier le panorama de Rome réalisé par Le Maçon sur les murs de la salle à manger, mais cette partie du projet est finalement abandonnée. Les formes des porcelaines sont en grande partie tirées de celles de la collection de 525 poteries antiques achetées par d'Angivilliers à Dominique Vivant-Denon en 1785 et déposées à Sèvres l'année suivante. Mais le décor des poteries antiques est vraiment trop rude, comme vous pouvez le voir par cette pièce du musée Denon à Chalon-sur-Saône, et Lagrenet va fournir des dessins de décors d'une sobre et délicate élégance, comme on peut le voir sur cette image. Certains sont inspirés de gravures de formes antiques réalisées, de motifs antiques réalisés par Lagrenet à la suite de son séjour italien. Voici à gauche le frontispice d'un recueil de gravures fait par Lagrenet, de motifs arabesques. En haut à droite, une soucoupe de la laiterie. Et puis en bas, le détail d'une paire de vases livrée à Louis XVI, probablement en 1786 ou 87. Ces vases sont exactement dans le même genre que les pièces de Rambouillet, mais ils sont destinés à Versailles, et Louis XVI les place dans le cabinet des dépêches, qui est juste derrière le cabinet d'angle, ce qui explique qu'ils sont beaucoup plus richement décorés et montés en bronze doré. Mais la Révolution allait mettre fin à tant de jolis projets. Dès le 16 juillet 1789, Louis XVI suggère à d'Angivilliers de quitter le pays, car les conseils qu'on savait qu'il donnait au roi et l'influence qu'il avait la réputation d'avoir sur lui rendaient son séjour trop dangereux. Il part donc avec son fidèle domestique Narcisse pour l'Espagne. Il s'installe dans une maison très peu confortable dans un petit village des Pyrénées, d'où il passe tout son temps à écrire à Louis XVI pour lui conseiller une fermeté absolue envers les nouveaux mouvements politiques.
incapable de rester longtemps absent, d'Angivilliers revient en France en janvier 1790, et là, il tente de reprendre les rênes de son administration, tout en continuant à encourager le roi. Il semble même qu'il se soit occupé de vendre des objets des collections royales ou des collections personnelles de Louis XVI pour l'aider à subventionner certains personnages comme Mirabeau qui œuvraient pour sa cause. Ce Montesquieu en biscuit d'après Clodion est passé sur le marché de l'art en 1998 en provenance de la famille de gouverneurs Morris, un riche américain qui séjournait à Paris à cette époque et qui a même été pendant un petit temps ambassadeur américain en France. Certaines mentions dans les mémoires de l'époque font penser que c'est Maurice qui achetait à d'Angivilliers et il payait le baron de Septeuil qui était le valet de chambre de Louis XVI, ce qui fait qu'il s'agit peut-être d'un des grands hommes de Louis XVI à Versailles. Mais tous ces efforts restèrent sans effet et on peut lire dans la correspondance secrète à la date du 3 décembre 1790 « Le nouveau garde des Sceaux a dit publiquement que l'influence de M. d'Angivilliers sur l'esprit du roi était plus forte que celle de tous les ministres patriotes réunis. » C'est donc en avril 1791 qu'il va repartir en exil, cette fois-ci de façon définitive, et il passe le reste de sa vie à écrire de longues mémoires pour justifier sa conduite et déplorer les événements qui finirent par conduire à la mort de celui qu'il appelait simplement son bienfaiteur. En conclusion, on ne peut nier que la motivation du comte d'Angivilliers pendant sa carrière est pratiquement entièrement politique. Ses décisions d'ordre esthétique n'ont pas toujours plu à la postérité, mais sont plus compréhensibles si on les regarde dans l'optique de sa volonté, dont on ne peut en tout cas pas nier la sincérité. Merci. Merci beaucoup, John, pour ce très bel exposé. Et je pense qu'il y aura beaucoup de questions tout à l'heure, parce que c'est un sujet très vaste. Je vais demander aux techniciens de... Voilà. Et puis, on peut pas nier que d'Angivilliers a été le mentor de Louis XVI, ça c'est certain. Mais est-ce que le roi a apprécié ce goût arabesque? On va en reparler. Alors, nous accueillons désormais Catherine Trouvet, que vous connaissez bien, puisque c'est elle, en tant que vice-présidente des Amis du Musée, qui anime les conversations céramiques proposées sur Internet. Et après le règne de Louis XVI, nous allons étudier la propagande patriotique à la Manufacture de Sèvres durant la période de la Terreur, octobre 1793 jusqu'au début de 1795. Voilà. Sylvain. Merci Vincent. Donc, je suis heureuse de vous présenter effectivement cette période un peu, je dirais, incroyable, octobre 93, 1795. Alors, en 1793, la Manufacture de Sèvres a définitivement perdu son soutien royal. Après un été fort mouvementé, le citoyen député Jean-César Batelier entre en scène avec efficacité. Il est administrateur de la Manufacture à l'automne et il nomme en novembre le zélé patriote Henri-Florentin Chanoux en qualité d'inspecteur de l'établissement. Alors les principaux événements donc au sein de l'institution seront rappelés. Du côté des exécutants donc mal rémunérés, l'humeur demeure chagrine. Comment la Manufacture va-t-elle traverser la tourmente? Vers quelle destination les vents révolutionnaires vont-ils conduire l'établissement déstabilisé à l'image de la société tout entière? Alors, sur le plan des décors, le changement idéologique trouve immédiatement sa traduction. Les sujets patriotiques se déploient et renouvellent la grammaire ornementale. Alors, prudence ou crainte, soutien sincère ou de circonstances au nouveau régime, encouragement des nouveaux dirigeants issus des rangs révolutionnaires ou simple opportunisme sont à l'origine de la mise en place d'un programme décoratif innovant, comme nous allons le voir donc justement à travers une présentation chronologique des décors et de la sculpture. Alors cette évolution esthétique, expression progressiste des temps nouveaux, fait aussi écho aux idéaux maçonniques chers à une proportion significative de certains personnels d'encadrement. Le foisonnement des symboles maçonniques et révolutionnaires, ornant les décors, constitue un rare témoignage historique des liens consanguins qui unissent franc-maçonnerie et république.
À une sensibilité à la cause révolutionnaire explicable. Aux confins d'un Paris sous convulsion, on comprendrait mal que Sèvres ait pu traverser ces années révolutionnaires sans frémissement, d'autant que l'établissement emploie du personnel pour produire des pièces destinées à une riche élite. Le corps productif n'est pas insensible à la réalité économique. Le paiement avec retard des salaires, déjà habituel au moins depuis 88, prend un caractère insupportable au vu des menaces qui pèsent sur la survie de l'établissement et joue intensément contre l'ordre établi. Au-delà des réalités matérielles, les idéaux des Lumières semblent avoir trouvé un écho favorable, comme en témoigne l'apparition dans la sculpture de représentations hors de Franklin, Rousseau, Voltaire, etc. Alors la sensibilité progressiste s'exprime par l'appartenance à la franc-maçonnerie de 10% de l'effectif, voire 30% si l'on exclut les manœuvres, à une loge sévrienne peu connue, Les Cœurs Réunis, dont la patente est enregistrée par le Grand Orient de France au printemps 83. En voici le tableau, le sceau en cire et celui du Grand Orient de France de l'époque. Ainsi, ces francs-maçons sont la plupart du temps des membres anciens du personnel ou qui occupent des fonctions d'encadrement, comme Caton, chef de l'atelier de peinture, Le Riche, chef de l'atelier de sculpture, ou encore le chimiste Bailly. Le directeur de la sculpture, Boiseau, est lui-même franc-maçon, loge Saint-Jean-d'Écosse du contrat social. Rien d'étonnant à ce que nombre des décors révolutionnaires, donc apparaissant surtout au lendemain de la Terreur, empruntent à la franc-maçonnerie ses symboles, ou que certains artistes, comme Capel ou Dieu, aient adopté une signature en forme de triangle. Alors, cette tasse litron que beaucoup d'entre vous ont vue sur le marché de l'art en 2021 fait peut-être référence à cette loge des cœurs réunis, notamment par le cœur central du décor de la tasse et les deux colombes du motif de la soucoupe. Le rameau de myrte, encadrant le décor de la tasse, reprend celui du sceau du Grand Orient de France, comme les trois fleurs de lys, ainsi que le motif trilobé carmin que voici sur la soucoupe. On retrouve la forme en écu du motif central de la tasse, cette fois sur le sceau, la loge, le cœur au centre de l'écu du décor de la tasse, comme l'étoile à cinq branches, située en partie centrale, est visible sur le sceau au centre, l'étoile se trouvant en partie supérieure. Au-delà des idéaux maçonniques, regardons maintenant les faits. Alors, 93. Bon, mort du roi le 21 janvier, instauration du comité de sûreté générale et de surveillance le 13 mai 93, 9 membres sur 12 sont de Sèvres, dont le romand chef des fours Henri Florentin Chanoux, ainsi que son cousin Jean-Baptiste, réparé en modeleur à l'atelier de pâte dure, qui sera nommé quelques temps après maire de Sèvres. Alors, les ventes s'effondrent, par corollaire, la manufacture rencontre de sérieuses difficultés de trésorerie. Les matières premières, en raison de leur coût, bois, mais surtout or, viennent à manquer. De plus, dans l'établissement, s'amplifie une rivalité professionnelle latente entre dirigeants et artistes ayant réputation et situation, plutôt de sympathie monarchiste, et ouvriers peu payés, sans droit, qui mettent dans la révolution tous leurs espoirs. Alors, il y a des ventes révolutionnaires pour faire face à l'insuffisance de trésorerie, 9 jours en avril, 10 jours en juin-juillet, avec de tristes résultats. Été 93, c'est ordre du ministre de l'Intérieur Gara de supprimer toute référence royale. La marque WL est remplacée par Sèvres, accompagnée du monogramme RF, République française, et la lettre date continue irrégulièrement jusqu'en 96. Il y a aussi ordre de destruction des presses pouvant retracer images de nos ci-devant tyrans. La domination du député Batelier à la manufacture, on l'a vu, qui nomme Henri Florentin Chanoux, pendant 14 mois, la gestion de l'entreprise par cet ouvrier intelligent mais totalement illettré va se révéler totalement désastreuse. Irrégularité financière, vengeance personnelle notamment. Arrestation de Caton et Ettlinger en septembre 93. Caton reste 14 mois en prison, Ettlinger 11. Les peintres Fontaine et Corneille sont aussi arrêtés. Et ce mois de novembre, le 6, voit aussi la naissance de la Société populaire de Sèvres, dont Batelier assure la présidence. 94, donc plusieurs fêtes républicaines, débutent, abolition de l'esclavage, triomphe de la raison, être suprême,
Chute de Robespierre le 26 juillet, fin de la terreur. Le comité de surveillance est supprimé en septembre. Début 95, donc fin de la révolution à Sèvres, suppression de la Société populaire en février. Chanoux est remplacé par Ettlinger, Salmon Lainé garde-magasin et François Millière, fameux chimiste suisse qui part rapidement. Les académiciens Boiseau et Lagrenet sont reconduits à leurs fonctions, hein, tandis que Corneille von Spadon, hein, le frère de Gérard, entre à Sèvres en qualité d'artiste en chef adjoint. Alors qu'en est-il de la production ? Alors de tout temps, la production de Sèvres a été divisée en trois secteurs, services, culture et vases. La complexité des techniques de fabrication aboutit forcément à une production onéreuse. Et la raréfaction de la clientèle traditionnelle, hein, contraint donc dès les débuts de la Révolution, à une sévère réorientation des pièces produites. Hein. Celles d'apparat disparaissent quasiment au profit de services, donc à décors traditionnels, que les marchands français, mais surtout étrangers, pourront écouler. La sculpture au tirage multiple, hein, donc rentable, médaillon principalement, se développe. Et seule une part minime de la production est consacrée aux décors patriotiques, donc dévolue, pardon, à des objets mineurs plus faciles à vendre, je cite, à des patriotes surtout riches d'enthousiasme. Alors pendant toutes ces années, la manufacture propose une majorité de décors traditionnels, essentiellement sur des pièces de service ou des cabarets, alors des miniatures arabesques antiquisantes, comme disait John, décors dits mosaïques, chiffres, étoffes, fleurs diverses, animaux, paysages, oiseaux de buffon. Alors deux décors innovants, celui-ci, à motif de chinois, réalisé à l'or et platine sur fond noir, à l'imitation de lac oriental, et le second, en camaïeu vert, à l'imitation de bronze antique. Un fond porphyre, introduit début 93, rencontre un succès important. Alors, les pièces à décor patriotique sont essentiellement des tasses. Donc, à côté des modèles traditionnels, hein, tasses litron ou à thé, du gobelet de la toilette pour la comtesse du Nord, trois nouveaux modèles, la tasse Anse Boiseau, Bolvry sur pied douche et le gobelet architecte dessiné également par Bolvry. Quatre modèles d'influence antique hein, dessinés par Boiseau pour la laiterie de la reine à Rambouillet, les gobelets à anse étrusque, à bandeaux, cornets, crachoirs et deux gobelets de forme indéterminée. Alors le plan, on va regarder les pièces en lien avec les événements, la grammaire décorative, des pièces d'apparat en nombre limité, une production qu'on la destine, la sculpture, une clientèle renouvelée. Alors, regardons en lien avec les événements l'écritoire de la Convention. Projet de lancer en 93. Au centre devait figurer un biscuit, le despotims renversé de son piédestal tombant sur la noblesse. Alors celui-ci devait être proposé sur un socle à angle tronqué en bois noir. Et dans chaque face devaient être incrustés des bas-reliefs de porcelaine représentant des sujets de la Révolution. Et ce sont probablement ces quatre plaques à sujet d'enfants allégoriques des événements de 92, donc réalisés dès juin 93. Sèvres concerne ces bas-reliefs sur pâte bleue et leur modèle en cire et en plâtre, donc respectivement intitulés la guerre, la paix, l'arbre de la liberté, le serment à la patrie, pendant 2 à 2. Et une plinthe en bois, plus grande, devait supporter le tout. Aux quatre angles étaient prévus des vases en porcelaine, lesquels devaient servir d'écritoire. Et leur décor de figure étrusque fut apposé par Asselin en novembre 93. Et la paire de vases à monter du musée de Sèvres constitue probablement deux des quatre vases prévus. Cet écritoire n'a jamais donné lieu à réalisation. Le groupe, cœur du projet, est mentionné en juin 93 comme rebu dans les registres de défournement, échec d'ailleurs signalé en août par courrier du directeur Régnier Agara. Alors voici une soucoupe à pied du Freemasonry Museum qui pourrait, je dis bien pourrait, avoir été exécutée à l'occasion de la naissance de la Société populaire de Sèvres le 6 novembre 93. On la retrouve dans les archives le 7 novembre, dans la fournée. Les peintres Asselin, francs-maçons d'ailleurs, Pitoujeune, furent chargés d'en dessiner la carte d'adhérent. Sur une face, il y avait une couronne de chêne entourant les devises « Liberté, égalité, fraternité ou la mort »
et république une et indivisible, avec un niveau surmonté du bonnet phrygien, le tout auréolé d'un rayon de gloire. Eh bien, cette description semble assez proche du motif placé au cœur de cette pièce, un dodin, donc c'est peut-être inspiré d'une des allégories républicaines élaborées par Pitou Jeune sur cette feuille datée de 93. Alors, la grammaire décorative. Les décors peints à thème révolutionnaire donc prennent le pas à compter de fin 93. On en retrouve jusqu'à la fournée du 10 mai 95. Alors, ce qui est amusant, il y a eu de nombreux départs à l'atelier sculpture, vers d'autres manufactures, hein, des décennes ont remplacé des conscrits en 91-92, qui furent comblés par des membres de l'atelier de sculpture et des femmes. Et de façon très surprenante, toutes réalisent des décors patriotiques. Alors Sophie Chanou en tête, Rosalie Chapuis, Madame Roguet, Madame Descoings, Madame Bunal. Une des présentations les plus originales que vous voyez à l'écran des attributs révolutionnaires que l'on retrouve de 93 à 95 est réalisée sur pâte dure à fond blanc avec au centre donc un motif principal de bonnet phrygien, faisceau de licteur ou fil à plomb au sein d'un rayon de gloire ou d'une couronne feuillagée comme la tasse à droite du musée de l'Ermitage. En périphérie, en semi ou en frise, hein, se déploient bleuets et coquelicots, parfois capucines et liserons, qui rappellent par leur couleur symboliquement la République. Plusieurs groupes de tasses litrons, bolverie également, quelques théières, pois à sucre, laissent à penser que ces pièces formaient des cabarets. Alors la première du genre, exécutée par le peintre Massy le 6 mai 93, serait cette tasse litron à gauche du musée d'Echelette. Plus rarement, certaines pièces sont dépourvues d'attributs et ne comportent que des fleurs éparses. Lorsque les motifs évocateurs de la Révolution ne plairont plus, ils seront parfois masqués par un autre décor ou effacés comme sur cette paire de tasses litrons du Grand Orient de France. Certains décors ont été empruntés à cette planche de dessin exécutée par Pitou Jeune en 93, à trophée allégorique des Républiques. Je vous renvoie à l'article de Pamela Roditi. Ainsi, un hommage à la République romaine s'expose sur la soucoupe d'un gobelet litron de cinquième grandeur, bordé d'une guirlande de roses, conservée à Sèvres, en haut à gauche. Au revers, outre la marque du peintre Sophie Chanou, épouse Binet, et du doreur Vendée, figure Sèvres, l'an 2 de la République, une indivisible et impérissable, qui apparaît dans les registres en octobre 93. Donc cette tasse faisait partie d'un ensemble identifié dans les registres en juillet 94. Et dans une collection privée, on connaît deux autres tasses, alors l'une avec une allégorie de la République américaine et l'autre une même allégorie de la République romaine comme sur celle de Sèvres donc. Et l'exemplaire du musée de Sèvres, peut-être avec les autres, aurait été offert l'année même de sa création au citoyen député Enlard, lequel avait fournit des vivres au personnel de la manufacture. Alors, les artistes utilisent majoritairement une présentation traditionnelle de ce trophée patriotique en cartel ovale, arabesque, draperie plissée, ruban tricolore, parfois mêlé à des guirlandes fleuries ou feuillagées, c'est laurier et chêne, souligne le bord des pièces. Pour l'illustrer, cette tasse litron à gauche, récemment passée en vente, qui appartenait à un ensemble de quatre, retrouvée dans le registre des peintes au nom de Noël, le 20 avril 1994, et dans le registre de défournement le 1er août, une autre tasse de cet ensemble est conservée à Carnavalet. Alors, les emblèmes républicains, bonnet phrygien, livre de la Constitution, œil qui voit tout, miroir sur pied douche et pique, sont représentés dans des médaillons filetés à perles. Et selon la légende, Cambacérès, donc haut dignitaire de la franc-maçonnerie, se porta acquéreur de ces tasses. Alors plus rarement, ces motifs sont agencés en frise, comme sur cette tasse à droite de la Wallace. La frise copie un dessin de Pitou Jeune. Plus tard, on va dire dès février 94, les emblèmes républicains se feront plus discrets, disséminés dans des motifs arabesques ou dans des frises. En témoigne cette tasse bolverie à fond jaune, conservée à Carnavalet. Elle faisait partie à l'origine d'un déjeuner de 10 pièces réalisé par le spécialiste du genre, le peintre Jean-Jacques Pierre, lui aussi franc-maçon, et ça c'est en avril 94. Cet artiste est à l'origine d'une ingénieuse variation sur ce motif d'arabesque,
combinant rinceaux, cornes d'abondance, affrontées, hein, et pavot sur tige, il ménage sur cette saucière un médaillon avec en son cœur un trophée patriotique. Et le langage, évidemment, typique des arabesques, combinant ornements naturalistes en volute et figures classiques, est brillamment illustré sur ce gobelet de carnavalet. Et dans son décor pompéien, réalisé dans le goût de la grenée, le peintre Desnoyers Chaponnet a ponctué la frise de minuscules bonnets phrygiens et une couronne de chêne à ruban tricolore encadre le motif central à tête antique. Alors, quelques peintres les plus habiles, hein, d'Audelin, Asselin, Caron, Gaudin Jeune ou Blin vont se spécialiser dans les figures allégoriques républicaines. La qualité de ces pièces produites en petit nombre, hein, peine plus d'une dizaine connues, témoigne du raffinement des productions de l'époque. Une allégorie de la liberté et de l'égalité, hein, figure drapée à l'antique, a été réalisée donc en camaïeu gris sur ce médaillon de cette tasse litron conservée à Carnavalet. Ces deux figures républicaines, hein, l'égalité avec le niveau et la liberté avec bonnet phrygien et pique, ont été déclinées en biscuit sur ce médaillon créé fin 93 et en sculpture. La figure de la loi est représentée en camaïeu carmin, là par Gaudin Jeune, sur cette tasse litron conservée à l'Ermitage, donc à fond porphyre. Sur ce même fond, la liberté et l'égalité ont été reprises par ce même peintre en camaïeu sépia, donc à la face et au revers, de cette tasse litron d'une collection particulière. On voit la liberté à mi-corps, coiffée du bonnet phrygien, qui tient le joug brisé, et puis l'égalité porte le niveau en pendentif. Décor réalisé le 18 novembre 94, juste avant leur cuisson E22. Alors, au cours de l'année 94, la production de pièces d'apparat, absente en 93, repart, mais en nombre limité. De septembre 94 à avril 95, pour être précis, le temps a été décimal. Le jour était divisible en multiples de 10, et cette décimalisation a fait naître cet extraordinaire cadran solaire, donc de forme circulaire, sur bloc octogonal, aujourd'hui conservé à Boston. Début mars 1994, le peintre Pfeiffer réalise en un mois et demi le décor de cette plaque, donc je vous laisse lire l'intitulé. Et en avril, le peintre Drouet en porphyre le socle et le dédicace à son commanditaire, batelier, érudit en la matière puisque horloger de formation. Alors la pièce lui sera livrée le 15 décembre 1995 pour la somme étonnamment modique de 120 livres. Une autre pièce marquante de cette période, c'est l'unique paire de vases à décor patriotique connu de modèle C de 1780, conservé à Carnavalet. Daudin réalise dès avril 94, pour les rendre le 10 mai 95, les deux miniatures, alors la France gardant sa constitution et la force guidée par la raison, hein, le premier sujet personnifiant la liberté avait donné lieu à la création, début 94, de ce biscuit par Boiseau, et le second, incarnant la raison, hein, gravé par Chapuis d'après Boiseau, donnera lieu, en mai 94, à la création d'un autre groupe éponyme, en biscuit, et ce sujet est probablement en relation avec l'établissement du culte de la raison, décrété le 10 novembre 93, bon, il a rencontré, paraît-il, un succès moindre. Bon, Bouya, peintre de cartel, historien de paysage, réalise les deux vues révolutionnaires au revers, et ces vases seront vendus à la citoyenne marchande Lefébure le 14 octobre 95. Alors cette fois pour 18 000 livres, hein, on n'est plus à 180 livres. Donc la France gardant sa constitution sera repris par Daudin en 95 sur cette tasse litron de la collection royale britannique. Alors y a-t-il eu une production clandestine? Cette plaque exceptionnelle de la collection Rosenberg en prêt au musée de Dallas, a été exécutée en 93 par Charles-Antoine Didier, d'après Alexandre-François Desportes. Deborah Gage en a retrouvé le modèle, cette esquisse à l'huile conservée au Château-Musée de la Chasse à Gien. Je vous mets aussi une étude en lien avec cette composition. Alors, aucune mention de cette plaque dans les archives de Sèvres. Mais guère surprenant, puisque les registres n'étaient pas correctement tenus à cette période. Mais le fait que Didier
peinte de figurés d'animaux de 87 à 98, et signé son nom, bien en évidence, avec la date de 93 en toutes lettres, indique que, comme les temps étaient durs, pour tous les artisans, hein, souvent pas payés, que Didet a peut-être peint ce tableau en privé et vendu pour son propre compte. Cette plaque figurait dans la célèbre vente Même Mort, organisée par Sotheby's en 77. Regardons le domaine de la sculpture. Le décret de l'abolition de l'esclavage des colonies françaises, voté le 4 février 94 par la Convention, célébré à Sèvres le 9 avril, donne l'occasion à Boisseau de proposer en septembre les Noirs libres. Suivant en 95 la philosophie qui découvre la vérité, Biscuit est réalisé en mai, d'après un dessin de Boisseau gravé par Depeuil, et l'auteur du biscuit La liberté présentant les vertus civiques, créé en mai 95, demeure inconnu. Suivra à l'automne 95 les Martyrs de la liberté, créés en l'honneur des jeunes héros Barra et Viala, hein, morts pour la patrie à l'été 93, donc ça traîne pas. Leurs cendres devaient être, sur proposition de Robespierre, déposées au Panthéon. Alors, Boisseau a repris une composition antérieure datée de 90, et on voit deux urnes portant l'inscription Barra et Viala qui sont déposées sur l'autel de la patrie par une femme drapée à l'antique et un jeune garçon, et seul un plâtre conservé à Sèvres témoigne encore de ce modèle. Les bustes de Barra et Viala de 94 sont connus par leur modèle en terre cuite attribué au sculpteur Brachat, ainsi que leur édition en biscuit au 19e. Les médaillons les plus emblématiques de la période sont ceux des Martyrs de la Liberté, hein, d'abord le baltier de Saint-Fargeau, puis Marat, Chalier, qui furent aussi représentés en buste. Alors, une clientèle renouvelée. Les archives de la manufacture attestent de façon formelle de 3 livraisons importantes de pièces fin novembre 1995 au directoire, certaines à des corps patriotiques, parfois identifiables avec des pièces subsistantes. Ainsi, dans la livraison du 22 novembre, on retrouve 7 cabarets, dont un, beau bleu, cartel en attribut guirlande tricolore en fleurs, riche frise en or bruni à l'effet, composé de 4 tasses, un pot à sucre, une théière, un pot à lait et une jatte à lait. Alors aujourd'hui, dans une collection privée, le pot à lait, là que vous voyez à l'écran, pot à sucre, théière et 2 tasses. À Carnavalet, la jatte à lait et une tasse. Et la dernière au musée Arte Antiga de Lisbonne. Alors la Jatalet porte la barque A3, puisque réalisée le 25 septembre 1994 selon les registres. Et 4 points, probablement la marque de Marie-Félicité Baudouin, active de 1786 à 1800, peintre de fleurs et de motifs, hein, qui a probablement réalisé les fleurs, et la marque LG du doreur Étienne-Henri Leguet. Conclusion. Si le statut de la manufacture royale a constitué l'un des atouts majeurs de l'entreprise de son lancement à la Révolution, celui-ci se retourne contre elle lorsque la page de l'Ancien Régime se tourne. Son soutien royal, hein, le lieu de promotion que constitue la cour, et sa clientèle s'évanouissent dans la tourmente. Les crédits consentis à la clientèle demeurent impayés. Les ventes révolutionnaires du premier semestre 93 ou celles réalisées à l'étranger peinent à masquer un chiffre d'affaires en berne. La manufacture vit au jour le jour sans fermer ses portes, malgré une précarité financière avérée, et les incertitudes minent un personnel payé au mieux avec retard, épuisé par les drames que la situation politique leur fait vivre. Sèvres échappe à la tourmente définitive en raison du symbole qu'incarne sa modernité. Elle profite alors du soutien insoupçonné du ministre de l'Intérieur de l'époque, Paré, qui y voit un élément du patrimoine national et pourra lucidement écrire en décembre 93 que, comme toutes les manufactures, elle n'enrichira pas la République, mais du moins attestera de sa supériorité sur toutes les autres nations. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Catherine. Alors pour maintenir le rythme, je vous donne rendez-vous à 16h50 précise. Et je pense qu'un rafraîchissement est le bienvenu et nous attend dans la rotonde, voilà, juste à l'entrée.
Et il y a également la vente des deux derniers numéros de la revue pour ceux qui ne connaîtraient pas nos éditions.